Les espoirs de l'ASM se sont imposés 20-10 dans le derby auvergnat face à Aurillac. Longtemps chahuté en mêlée, les Montferrandais ont renversé la vapeur en deuxième période. Et le ballon qui va peut-être pouvoir revenir pour Duclos. Non, finalement, attention, Ezeala qui a parce que l'espace pour lui tout seul. Il va très très vite. Il va très très vite, Ezeala. Il va essayer d'aller défier le petit crochet pour éliminer. Il va pouvoir peut-être libérer ce ballon. Non, il va y aller tout seul. L'essai incroyable du numéro 15. Il s'agit d'Ezeala, le Clermontois, qui est venu et bah, se faire cet essai tout seul. Attention, parce que c'est déjà la troisième pénalité. Monsieur Jolin pourrait mettre la main à la poche et sanctionner les Clermontois. Ah oui, ce ballon a été trouvé. Et l'essai d'Aurillac. De Moukété, me semble-t-il. Moukété qui est venu se proposer. On a multiplié là les temps de jeu. Hein. Les temps, ouais. Le temps fort était aurillacois et fort logiquement les Cantaliens qui reviennent en cette rencontre grâce à son troisième ligne. C'est l'occasion pour les Clermontois d'enfoncer le clou, les aurillacois justement de rester en vie hein, dans cette rencontre. Hein. Ils ne sont menés que de 3 petits points face à des Clermontois là, qui, dans le secteur de la MFM, ont rectifié le tir. Hein. Et ça remonte encore cette première, incroyable, les Clermontois qui vont peut-être, et voilà, l'essai de pénalité. On le disait Jeff tout à l'heure, l'essai de pénalité, et attention, non finalement, je pensais qu'il y avait une petite échauffourée, si, petite échauffourée là sur, rien de bien méchant, entre les deux formations, voilà, on vient séparer tout le monde va revenir dans son camp gentiment, et les Clermontois qui s'imposent dans ce derby, donc Auvergnat, 20-10.